AgroCampus Ouest est un établissement labellisé DDRS, développement durable et responsabilité sociétale. Concernant la gestion environnementale, voici quelques éléments réalisés dans ce cadre au sein du campus de Rennes. L'éco-pâturage est mis en place sur le campus de Rennes comme une alternative silencieuse et non polluante à l'entretien mécanique des espaces verts. Nous avons choisi les moutons d'Ouessant afin de sauvegarder et valoriser cette espèce locale et rustique. Ils sont gérés par le prestataire Les Moutons de l'Ouest, une entreprise régionale. En plus d'améliorer le cadre de vie au sein du campus, les moutons d'AgroCampus Ouest sont fédérateurs de liens sociaux et ainsi sont devenus le rendez-vous régulier de la crèche de quartier qui a décidé de trouver des noms à nos quatre moutons. Vous pourrez retrouver les moutons sur leur parcelle de 3 500 m² environ près du bâtiment 24 et de la plateforme agroécologie. Il y a plus de 700 arbres sur les 17 hectares du campus, mais il y a un espace préservé et privilégié, l'arboretum. Dans cet arboretum, vous trouverez 200 arbres de collection et d'espèces variées, que ce soit toutes les variétés d'érables ou de houx, mais aussi des exemplaires uniques, comme ici le noyer ailé du Caucase, le marronnier de l'Himalaya, les lentes ou le plaqueminier d'Italie. La gestion différenciée mise en place dans l'arboretum correspond entre autres à la création de zones de fauchage tardif et de jachères fleuries, permettant à la biodiversité de s'exprimer pleinement en complément des refuges LPO, mais aussi dans le plan de renouvellement de l'arboretum, co-construit avec les enseignants-chercheurs écologues d'AgroCampus Ouest. L'aménagement et la gestion différenciée de l'arboretum sont en lien avec les projets existants des étudiants à DAO, le club abeille, le club poule, le club compost, et que nous souhaitons étoffer avec de nouveaux projets, comme l'implantation de hérissons et la mise en place de potagers partagés. Nous vous avons présenté ici quelques éléments du volet gestion environnementale de notre campus, qui constitue un des axes développement durable et responsabilité sociétale, en parallèle des volets formation et recherche.